What's up tout le monde, c'est Christo, et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog. Je suis accompagné de Pablo. et donc c'est une personne avec qui je travaille maintenant tous les jours parce qu'on est dans la même école. Donc en fait aujourd'hui on a été invité ce soir à participer à un événement de Red Bull et on va tester leur jeu. C'est genre un jeu de logique et tout. Ouais, c'est un petit jeu de logique tranquille. Et voilà, on va tester. Donc là on est dans la classe, on est en train de faire les travailleurs genre. On est en train de travailler sur Linux un peu, mon petit PC juste derrière. Et puis voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à me le dire si tu veux qu'on refasse des vidéos comme ça. Bientôt 18h, on va aller à la salle où on va tester le jeu. On va juste vous montrer rapidement le jeu, qu'est-ce que c'est un jeu de logique. Je pense pas qu'on soit super fort à ça. Non. Il galère pour l'instant. Donc Pablo, alors, montre-moi, donne-moi la définition de ce jeu, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà. Alors en fait, on a plusieurs cases. Donc par exemple ici, c'est une partie de petits blocs. Donc Non. afin de libérer un chemin. Ouais. Donc pour pouvoir faire passer la lumière d'ici à ici. Voilà, en gros, il va falloir C'est aller un du pur jeu point de A logique. au point B. Et genre, il faut aller plus vite possible. Donc tu as fait 10 minutes. Non, Et 10 minutes, tu que sais, hein. le meilleur score, bon, moi ça va être pire de toute façon. Et le meilleur score, c'est 50 secondes. Et le gagnant est invité à faire une sorte de tournoi et tout, genre pour aller à Budapest. Ouais, tout le monde, c'est Christo. Et donc là, on se retrouve donc dans le bâtiment Innov où on va pouvoir tester donc en direct eh bien, le jeu avec Pablo, donc qui va faire le petit test. Il y aura un lien dans la description où vous pouvez donc pouvoir jouer à ce jeu-là et essayer de faire un meilleur score que nous. Donc je vais vous montrer vite fait un peu aux alentours. Donc là il n'y a pas beaucoup de gens. Donc le conseiller qui est ici et puis il y a quelques personnes. Donc tout à l'heure il y avait vraiment vraiment beaucoup beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'attendre un petit peu que les gens y partent. Comme ça on peut faire la vidéo. Donc c'est parti, vas-y, commence. De logique et il faut arriver le plus rapidement possible. Donc si vous arrivez déjà genre on va dire à 3 minutes, c'est déjà quelque chose de bien. Donc là Pablo il est chaud patate. Donc en gros avec ta souris, tu fais en sorte que le chemin, en gros, que le courant y passe, on va dire ça comme ça. Et une fois que ton chemin est correct, il faut appuyer sur la touche espace, c'est ça? Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, là, il est chaud Pablo parce que Pablo, il est en 25 secondes, il a fait les deux premières manches. Ouais, donc c'est pas mal. C'est bien Pablo. Donc essaye de faire mieux. Ça va pas être difficile, je crois. Bah, c'est bien, putain. Une minute. Ouais, faut se concentrer en vrai. Les gagnants, il faut s'enregistrer. Donc nous on s'est pas enregistré parce que on fait le test, en gros on s'entraîne comme ça. Et une fois que t'es bien chaud, tu t'enregistres et avec une adresse email et tout. Et t'as droit à une chance, je crois, c'est ça. Hein. T'as une chance pour la qualification, je crois. T'as une chance pour la qualif. Et si t'as un bon score et tout, t'es invité ici en fait à Innov, à Lyon, pour participer après à éventuellement partir et gagner, je crois, pour aller à Budapest pour faire un tournoi ou un film final. Voilà. C'est parfait, parfait. Bon, 3 minutes 20. C'est parti. C'est là, hein, ouais, exact. Pour jouer. Il y a plein d'iPhone là sur la table, j'aime ça. Là. Là. Non, t'étais bien, ouais. Et là, j'appuie sur la touche espace. Ok. Non. Ouais. Voilà. C'est comme ça, moi, je fais. C'est ce moment où si tu te rates, tu sens con. Alors attends fort. Là, je suis perdu. Tu vois, là, globalement, je me suis perdu. Là, je les ai éloignés à droite. La troisième ligne, je l'ai mis à droite. Voilà. Ah merde. Donc là, c'est-à-dire j'ai raté. Quand tu rates à ce niveau, à ce genre de niveau, ça te fait recommencer. Ah, ça me fait recommencer? Eux-mêmes, salut. En fait, faut être bon au Rubik's Cube, quoi. C'est du Rubik's Cube. Et lui. Ah putain. Ouais, ok, en gros, là j'ai perdu là. Ah, t'as fini. 5 minutes 53, en fait, t'aurais pas bugué au début, ça va. Enfin, bugué, façon de parler. Je pense que ça aurait été plus facile et plus rapide pour les réessayer. Pablo, tu veux un petit massage? Non, très ça bien. Va, t'inquiète. Parfait. T'es meilleur que moi, c'est sûr. Putain. Mais moi, je me suis entraîné, moi. Tu t'es entraîné? Ouais, ouais, t'as fait ton. Je suis un tricheur.
Ouais, c'est bien, putain. Ouais, parfait. Oh, 3 minutes. Dommage, mais c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est un jeu intéressant. Au début, ça peut vous paraître bizarre, mais au fur et à mesure, je pense que vous avez bien aimé. Ah, quoique. Ah, c'est bon. C'est souvent merci. Ça, en fait. Parfois, ah, là, c'est... T'imagines même pas. Ah, là, c'est hard. Centré sur l'autre. Ouais, j'ai vu ça. C'est presque. Ah, putain, il m'en faut une. Si je la mets là, quoi. Oh, le premier, c'est... Ils t'ont mis un truc de bâtard, quand même. Oh, y'a ça. J'ai même pas le temps de voir ton truc, que t'as... Ça, c'est ma technique. J'ai découvert tout à l'heure. Un easter egg. Il y a trop un easter egg. Pas satisfait de ce que je peux faire. Ah, mais c'est ça, c'est difficile après de se regarder, de après on juge beaucoup. Ouais, après, je ouais, j'aurais plutôt été parti faire sur du meuble. C'est quoi les frais? Oh, 2,35. Ah ouais?